Les causes de l'accident, pour l'instant, elles sont totalement indéterminées. Mais la boîte noire, la première qui a été découverte, est actuellement au BEA, au Bureau d'enquête accident à Paris. Elle est en cours d'exploitation. Peut-être aurons-nous un premier résultat d'examen et d'audition des conversations qu'on pourra porter à votre connaissance en fin d'après-midi. Mais là encore, quand on fait des examens complémentaires, ça prend un certain temps. Ça va prendre plusieurs jours pour obtenir tous les résultats de cette boîte noire, encore si elles sont bien sûr exploitables. Et ça, elle est dans des conditions, elle a été très très abîmée, cette boîte noire. Nous pensons qu'il est possible qu'elle puisse être exploitée, mais enfin, il faut procéder pour cela à des investigations et des constats complémentaires. Et aujourd'hui, en l'absence d'éléments concernant le contenu de cette boîte noire, il est très difficile d'avancer une hypothèse sur les circonstances de ce drame. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a indiqué hier que toutes les hypothèses étaient sur la table. Ce que recherchent les enquêteurs, c'est la boîte noire, la deuxième boîte noire, hein, où il y a l'enregistrement des éléments techniques de l'avion.